Bonjour, bonjour. Déjà un très grand merci pour cette first lady qui a voulu partager son expérience avec nous. Et vraiment, bravo. Il en faut du courage. Je sais que beaucoup de personnes n'aiment pas souvent faire ça, mais voilà. Elle a accepté de jouer le jeu. Et voilà, c'est très important. Moi aussi, j'attends également vos feedbacks. J'attends partager vos feedbacks et rassurez-vous, votre information, vos informations et votre identité sera restée dans l'anonymat parce que j'y tiens beaucoup. Alors, cette first lady, elle avait des problèmes des mains rebelles, donc les zones rebelles au niveau des mains. Et voilà, comme vous allez voir en photo, je vais faire passer les photos. Dans cette first lady, avait des mains rebelles qui ne prenaient pas, donc des mains qui n'éclaircissaient pas. Et pas que ce qui n'éclaircissaient pas, mais des mains qui se sont assombries et qui refusaient d'obéir à tous les produits qu'elle a pu utiliser jusqu'à présent. Et voilà, sous mon conseil, elle a essayé le sérum Macari que je vous conseille tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, je vais faire la revue de Macari, la revue numéro 1. Donc, elle a essayé le sérum Macari comme je lui ai proposé. Et voilà. Donc vous pouvez déjà voir en image comment ça m'a été. Et donc là c'est avant l'utilisation du sérum Macari. Donc ça c'est quand elle m'a posé son problème. Et donc là on a après 2 semaines d'utilisation, oui, parce qu'elle m'a fait le revue après 14 jours d'utilisation. Voilà. Et donc vous pouvez déjà comparer. De comment c'est parti jusqu'à 14 jours d'utilisation. Et par la suite, là, on a 1 mois d'utilisation. Donc, après 1 mois d'utilisation, voilà le résultat. Donc, voilà, on est parti de là. Et voilà, après, on est passé par là. Et là, on est arrivé ici, après 1 mois d'utilisation. Donc, je pense que pour elle, ça a marché. Ce n'est pas une formule mathématique, comme je dis toujours, mais c'est important de le savoir, que ça peut marcher et ça peut bien traiter les zones rebelles également. Donc, je vous invite également à partager vos revues avec moi, de me faire parvenir également vos informations, enfin, de me faire parvenir, comment dire, votre feedback. Et voilà, on va partager avec les autres. Bien sûr que votre identité sera restée dans l'anonymat. Voilà. Donc, c'était la vidéo sur le revue de Macari numéro 1. Alors, comme j'ai dit, je vous invite à partager vos feedbacks avec moi. Et merci beaucoup, ma chère Zeddy. Et merci d'avoir participé. Merci d'avoir joué le jeu. Donc, ce ne sont pas des images tirées sur Internet. Ça, ce sont des images réelles. Donc, c'est une cliente qui a envoyé ces informations et que j'ai utilisées avec sa permission. Donc, je la remercie énormément. Merci beaucoup. Et j'attends également les vôtres. Voilà. À la prochaine. Ça nous permet d'avancer, n'est-ce pas? Voilà. À la prochaine.